Allez, tirage intemporel. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous ne prenez que ce qui résonne. On a le 10 de coupe. Donc, une situation équilibrée. Le 2 de coupe et le 3 de coupe, les amis. Que des coupes. Que de l'émotionnel, doux et agréable, parce qu'on a des très bonnes cartes là. On a la notion de soit l'arrivée de quelqu'un dans votre vie avec lequel vous allez vous engager et on célèbre les bonnes nouvelles et ça vous ramène une notion d'accomplissement, de paix au niveau de familial. Peut-être que certaines personnes ont le souhait de créer une famille. Eh bien là, il peut y avoir une rencontre potentielle, les amis, pour créer une famille. Pourquoi on me parle de mariage? J'en sais rien. Peut-être que certaines personnes, ça y est, le moment est venu de passer à une nouvelle étape de vie pour construire une famille. Et il y a la notion de mariage, de couple, de célébration, hein, mes amis, pour construire une famille, un foyer, un équilibre de vie. Peut-être qu'il y a la rencontre de quelqu'un dans votre vie, hein, tout simplement pour construire tout ça. Peut-être que tout simplement il y a des bonnes nouvelles sur le plan familial ou sur le plan d'un couple qu'on prend plaisir à partager, hein, parce qu'il y a quand même des sacrées célébrations. C'est un super tirage là aussi avec toutes ces coupes et la paix retrouvée. Je vous dis, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi sur le plan d'un couple, des choses qu'on prend plaisir à célébrer, qui ramènent peut-être de la stabilité au niveau de la famille, au niveau du foyer. Il y a vraiment c'est un tirage très très doux avec les coupes, avec des choses agréables qu'on célèbre, soit avec des amis, soit dans un couple, voilà. Et ça rapporte aussi, il y a la notion de famille hein, qui est très présente dans ce tirage, de la douceur en famille. Donc soit vous célébrez des choses sur le plan familial, des bonnes nouvelles, des festivités, des anniversaires. Peut-être que certaines personnes s'engagent, je vous dis, pour un mariage, un Pâques, on célèbre les bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y a un couple hein, qui se forme aussi et c'est très très agréable en fait, tout simplement. On prend plaisir à partager avec cette personne et on sait que ce sera la bonne pour construire quelque chose. En tout cas, voilà, c'est vraiment une notion agréable avec les coupes et les bonnes nouvelles, en fait, tout simplement, et la construction de quelque chose de sympa, avec un engagement à la clé ou quelque chose qui se vit à deux, ou peut-être, voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui fait que la connexion se refait de façon mieux, ou ça apporte de la paix, de l'épanouissement, de la stabilité au sein de son foyer. Enfin, voilà, hein, il y a vraiment... Alors là, avec la flexibilité, j'ai l'impression que là, on se dit, ça y est, c'est enfin là, en fait, c'est cool, c'est enfin là. Voilà ce qui me vient avec cette carte. Peut-être que vous avez la rencontre avec quelqu'un qui viendra de loin. Ou peut-être une bonne nouvelle ou une rencontre que vous avez attendue longtemps. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, là, on voit qu'il y a des choses agréables et douces qui arrivent tout simplement, soit au sein d'un couple, soit au niveau de la famille. Soit l'arrivée de quelqu'un avec lequel vous construirez une famille, soit des bonnes nouvelles, je vous dis, qui arrivent, ou tout simplement des moments de festivité et de joie qu'on partage en famille. Il peut y avoir ça également. Il y a peut-être des anniversaires à célébrer, des engagements, des unions également. Voilà tout ce qui me vient, les amis, avec ce tirage. Allez, je continue. Donc, on célèbre les bonnes nouvelles et ça, on aime bien. Il y a une notion d'hasard. Des choses qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être aussi et qui vous sortent des nœuds en fait et qui vous apportent une belle transformation, voyez. Donc le hasard, on sait très bien, enfin en tout cas pour moi, vous prenez que si ça vous parle, qu'il n'existe pas, que c'est l'univers qui œuvre et qui vous guide. Et les nœuds, les coupures, les choses qui ont été compliquées, ben, ça se dénoue en fait, ça se transforme. Et je vous dis, il y a quand même cette notion aussi de choses agréables qui arrivent dans votre vie en fait, tout simplement. Et des choses que vous avez, parce que j'entends enfin là, donc c'est peut-être des choses que certaines personnes ont attendu très longtemps. Des engagements, des unions, des bonnes nouvelles, l'arrivée de quelqu'un, ou des bonnes nouvelles pour votre conjoint qui rejaillit sur votre famille. Enfin, il y a toute cette notion et en tout cas, on célèbre. C'est-à-dire que là, avec ce tirage, on célèbre quelque chose vraiment d'important et d'agréable, quoi.
Et on célèbre avec les proches. Donc, allez, je continue, les amis. Donc, on aime, on prend. Hein. On prend, on fait comme ça. Il y a l'amour inconditionnel, le cœur. Donc, ça peut être aussi, encore une fois, sur le plan sentimental, hein, parce qu'on a le cœur qui vibre, le démarrage de quelque chose de pur, et on a le séducteur. Alors, ça parlera peut-être plus aux gens qui sont en mode célibataire, là, quand même. Ou alors, il y a quelque chose qui vient raviver une flamme au sein de votre couple ou des bonnes nouvelles qui arrivent et ça vous met dans un état de joie, d'amour, de reconnexion peut-être sur le plan familial, alors que peut-être que ça a été compliqué. C'est peut-être une bonne nouvelle qui arrive par un homme, puisque le séducteur vous apporte une belle surprise, un bouquet de fleurs. Donc, ça peut être aussi l'homme de votre vie qui vous apporte des bonnes nouvelles et on célèbre tout ça, hein, en fait, tout simplement. Et ça peut être l'arrivée de quelqu'un, clairement, pour celles et ceux qui sont seuls. Hein. Alors, ça sera quelqu'un de bienveillant pour moi avec les coupes. Et l'innocence, la pureté, la naïveté, c'est qu'il y a la notion quand même de quelque chose de sincère, d'agréable et de doux. Voilà, les amis. Hein. En tout cas, j'entends cet enfin-là. Donc, je pense qu'il y en a qui ont longtemps, longtemps attendu, quoi. Vraiment. Et on célèbre évidemment toutes ces bonnes nouvelles ou ces moments de partage ou voilà, hein, on célèbre ça. Hein. Après, il y a des surprises, je pense aussi. Il y a des mariages hein, qui vont se faire ou des engagements qui vont se faire qui vont vous remplir de joie, en fait, tout simplement. Hein. Parce qu'on a la notion d'un engagement, de quelque chose qui s'offre à vous et que vous célébrez. Et avec vraiment le bouquet du séducteur qui arrive, ça veut peut-être dire qu'on vous offre quelque chose, on vous apporte quelque chose qui vous remplit de joie avec évidemment l'amour. C'est beau, c'est beau. Après, il peut y avoir une nouvelle union, je vous dis, sur le plan sentimental avec quelqu'un qui vous ouvre le cœur, en fait, tout simplement, avec lequel vous prenez plaisir à partager des bons moments et avec lequel vous allez avoir une relation durable, hein, puisque j'ai quand même le 10 de coupe qui est la stabilité, la réussite sur le plan familial, voilà. Hein. Et il y en a qui, il y aura des demandes en mariage, moi. Moi, c'est ce qui me vient avec ce tirage, des demandes en mariage ou des demandes d'engagement plus, hein, il y a un homme là qui vous apporte quelque chose parce que c'est le séducteur. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un ou alors d'énergie forte au niveau masculin qui vous apporte quelque chose là que vous célébrez. C'est beau. Allez, on continue. Il y a eu de l'instabilité. Mais ça, je pense qu'il y a eu de l'instabilité parce qu'il y a la notion d'avoir attendu longtemps. Alors, je pense qu'il y en a qui ont fait un travail de libération intérieure, hein. Pour comprendre peut-être sur certaines relations qu'est-ce qui se jouait. Voilà ce qui me vient et que maintenant que vous avez compris tout ce qui se jouait en vous, ben voilà, ça laisse place à l'arrivée de quelqu'un qui sera différent. Donc j'ai vraiment le ressenti que certaines personnes sont passées par une phase d'introspection ou de travail sur soi. D'autres, ça peut être au niveau d'un couple, au niveau du travail, c'est-à-dire un engagement sur le plan du travail et c'est très positif. Ou alors tout simplement, c'est peut-être l'homme de votre cœur qui a des bonnes nouvelles après être passé par des instabilités sur le plan du travail et que vous allez célébrer. Hein. Voilà, hein, ça peut être plusieurs choses en même temps. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est des bonnes nouvelles que vous allez célébrer et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et il peut s'agir de l'homme de votre vie si vous vivez en couple. Ou il peut s'agir de quelqu'un qui rentre dans votre vie avec lequel vous allez vous engager pour des projets ou un travail. Et ça va vous permettre d'y voir clair. Ou ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Voilà. Après, peut-être être passé par un travail intérieur de libération aussi peut-être pour accéder à de nouvelles relations. Bon, ben voilà, le moment est venu là. Il y a un engagement hein, qui se fait. Hein. Alors, soit sur le plan sentimental avec des mariages, des choses officielles. Soit l'arrivée de quelqu'un et ça va être du durable et du stable par la suite, soit un engagement pro, soit ça peut concerner l'homme de votre cœur qui traverse ces énergies-là. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle les amis, j'essaie vraiment de tout balayer pour que chacun puisse retrouver son message en fait, en fonction de votre vie.
Alors, on a la coupure hein, et le fait d'aller de l'avant, hein, de couper avec un ancien schéma de vous-même ou une ancienne vie ou de l'instabilité. Hein, et on a le retour au plaisir. Hein. Et là, voilà, c'est des attirances très très fortes. Donc, il peut y avoir l'attirance sur un nouveau projet hein, professionnel qui vous est amené par un homme et qui va vous correspondre et vraiment qui vous attire en fait avec l'attirance physique. Il y a peut-être, je vous dis, quelqu'un qui arrive avec lequel vous aurez une très forte attirance. Ou alors une reconnexion dans votre couple qui vous ressoude, mais vraiment de façon très puissante. Hein. Voilà. En tout cas, c'est magnétique, on me dit, avec cette carte de l'attirance physique très forte. Hein. Là, il y a quelque chose de très fort en fait qui arrive et vous allez le célébrer, les amis. Que ce soit un projet coup de cœur ou que ce soit une personne, il y a quelque chose de magnétique. Voilà, tout simplement. C'est très très magnétique. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage. Allez, je prends le tarot. Fortuna majeure de Mirette. Eh ben, la fortune majeure, c'est plutôt sympa. Le gain. Eh ben. C'est ultra enrichissant là ce qui arrive, c'est ultra positif. Hein. Le gain et la fortune majeure, c'est très très enrichissant intérieurement, sur le plan de tout, des finances surtout. Hein. L'entourage familial et le père. Donc il peut s'agir pour celles et ceux qui sont en couple, il peut s'agir de bonnes nouvelles qui arrivent par l'intermédiaire de votre mari, de votre conjoint, de la personne qui vit à vos côtés. Voilà, ou alors quelque chose qui arrive et que vous célébrez au niveau familial, parce qu'on a quand même ce gain-là qui arrive, quelque chose de positif. Alors, je sais plus, c'était il y a 2 jours, je crois, on avait une rentrée d'argent qui me venait. Ben là, on pourrait être un petit peu dans la même. Il y a quelque chose de très enrichissant. Alors, ça peut être vraiment financier. Soit par l'intermédiaire de votre mari, soit par le fait d'être deux, en fait, ben, ça va beaucoup mieux au niveau des finances aussi. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être, ça sera peut-être quelqu'un qui aura les moyens ou qui vous proposera quelque chose d'enrichissant, soit d'enrichissant intérieurement, relationnellement, sentimentalement, soit vraiment enrichissant sur le plan matériel. Hein. En tout cas, avec encore l'entourage familial et les bonnes nouvelles qui se célèbrent. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que je suis quand même dans la. Voilà, je me dis chouette, chouette. Et on a encore la famille. Hein. Il y a une libération en famille. Hein. De quelque chose qui vous bloquait là. Pour moi, il y avait quelque chose qui vous bloquait. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui est positif et qui vous débloque en fait. Ou alors l'arrivée de quelqu'un avec lequel il y a une attirance de dingue. Parce que le diable, c'est le magnétisme aussi, hein, mais plus. Hein. Alors, on vous dit avec ce tirage de laisser venir, en fait, hein, tout ça. De laisser venir à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. C'est limite, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est comme si on vous demandait de ranger cette épée, là. Ou ce mode combatif ou quelque chose comme ça. Il y a une forme de libération de quelque chose qui n'était pas génial, quoi. C'est la libération sur un plan familial. J'ai vraiment maison, famille qui ressort, hein. Je pense qu'il y a quelque chose là qui était limite, où vous rencontriez des blocages ou quelque chose, et il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se débloque, soit pour vous, la personne de votre cœur, soit pour vous, parce que quelqu'un va arriver et du coup va vous sortir d'un conflit intérieur, peut-être pour construire une maison, une famille, un foyer. Peut-être que certaines personnes ont rencontré des difficultés pour choisir un lieu de vie, pour construire une maison. Il y a tout ça qui peut jouer dans ce tirage. Voilà, comme c'est du général, j'essaie vraiment de tout balayer. Mais en tout cas, là, il y a la libération et la célébration de bonnes nouvelles. Donc voilà, les amis, je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. Vous allez célébrer. Simplicité. Ben, on vous dit de rester tel que vous êtes. De vous laisser porter. Et moi, pour moi, vraiment, avec la simplicité, c'est.
Si vous avez des bonnes nouvelles en fait qui arrivent, pour moi, on vous invite pleinement à les célébrer en toute simplicité. Voilà ce qui me vient, les amis. Un moment doux, le doux présent, on me parle. Et vraiment, avec ce tirage, je ressens beaucoup de douceur au niveau des émotions, au niveau des choses agréables. Voilà, donc si jamais vous êtes concerné par ce tirage et que vous avez des énergies douces et agréables, des choses qui arrivent qui sont positives, et ben prenez-les et remerciez et vraiment célébrez, parce que c'est le maître mot de ce tirage également. Voilà, chers amis, pour cette guidance, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Encore merci d'être présent sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.